وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Il y a un hadith qui est important de comprendre. Plusieurs hadiths qui disent qu'Allah a créé Adam à son image. Les gens vont dire, comment Allah il a créé Adam à son image? Son image, ce n'est pas son image qui lui ressemble. Ça veut dire, comme Allah il est entendant, il est voyant, le même Adam il est entendant, il est voyant. Et la preuve de cela, c'est quoi? C'est le hadith aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jour du jugement dernier, les premiers groupes qui entreront au paradis, ils seront à l'image de la lune quand elle est à son plein quartier. Ça veut dire que tu vas avoir une tête de lune. Ça veut dire que tu vas être éclairé comme une lune. Il a dit à l'image de la lune. Est-ce que ça veut dire que tu as une tête de lune? C'est pareil. Quand Allah Ta'ala dit, il a créé Adam à son image, c'est-à-dire comme Allah Ta'ala, il est entendant, il est voyant, il a des mains, il a un visage, Adam aussi. Mais ça n'a rien à voir. Laisse ça comme il s'agit. Wadih, Inch'Allah. Il faut que ce soit clair, ça. Parce que vous allez entendre ces hadiths et vous allez entendre des gens qui vont utiliser ces hadiths pour mettre des doutes, pour vous faire ressembler à Allah à une créature ou bien pour renier ses qualités et ses noms d'Allah. Nous, on est au juste milieu. Ni on va par là, ni par là. Les gens de la sunna, ils sont toujours au juste milieu. On affirme les qualités qu'Allah s'est données à lui-même et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné, les qualités et les noms, sans savoir le comment, ni penser, ni demander, sans les falsifier, sans les rejeter et sans les faire ressembler aux qualités et aux caractéristiques des créatures. Wadih, inshallah, ça c'est très important à connaître dans les catégories du tawhid.